En 1965, quand vous aviez 20 ans, Charles Mignon, la loi du 9 juillet réformait le service militaire. Introduit en 1793 avec la Révolution, la conscription fut le ciment, le mythe fondateur de la République française. C'est ce qu'on appelait à l'époque la fameuse levée en masse qui permettra à Napoléon Bonaparte d'alimenter les armées jusqu'en 1815. La conscription deviendra le service militaire et en 1965, quand vous aviez 20 ans donc, le service national. Cette loi de 1965, dite loi Messmer, prévoyait quatre formes de service national. Le service militaire, le service de défense, la coopération dans un pays étranger et l'aide technique dans les dom-tom. L'objectif de la réforme était d'introduire un service civil, la fameuse coopération, obtenue souvent par piston, permettant à un fils à papa de se soustraire aux devoirs militaires. Il faut dire que l'on sortait de la guerre d'Algérie où le service militaire durait jusqu'à 30 mois. La loi Messmer définissait aussi le statut d'objecteur de conscience, c'est-à-dire le droit de refuser de porter les armes. Le second tournant sera la suppression du service national, jugé inadapté aux mutations technologiques des méthodes de combat. La suite, tout le monde la connaît, c'est la réintégration dans le programme de Macron d'un ersatz de service national. La même année, le général de Gaulle, monarchiste dans sa jeunesse, s'essayait une nouvelle fois au jeu de la démocratie. Avec une participation massive des électeurs à la présidentielle, le général de Gaulle est mis en ballotage au premier tour avec 44% des voix par François Mitterrand qui en recueille 32. Mais deux semaines plus tard, il est réélu président de la République avec 54,5% des voix contre 45,5% à François Mitterrand. Un score faiblard pour l'époque, mais qui ferait honneur aujourd'hui. En 1965, l'hégémonie de Bruxelles était déjà un sujet de discorde. Pour protester contre la politique agricole commune et surtout la remise en cause du principe de décision à l'unanimité, le général de Gaulle bloquera les institutions européennes en pratiquant la politique de la chaise vide. Cette crise est l'aboutissement de divergences anciennes entre deux conceptions européennes, celle d'une Europe supranationale et celle de l'Europe des patries du général de Gaulle, dans laquelle les États restent maîtres chez eux. Cette crise est résolue par le compromis de Luxembourg établissant la prise de décision à l'unanimité pour les votes importants. Côté culture, le fait marquant pour le jeune homme que vous étiez à l'époque était l'invention de la mini-jupe. Officiellement, on l'attribue à Courrèges, mais en réalité, il ne fera que la populariser. En fait, les jambes des femmes voient le jour pour la première fois grâce à la provocatrice styliste anglaise Mary Quant. Devenue un des symboles de la libération de la femme, la mini-jupe conduisit au développement des collants et à la quasi-disparition du port des bas. Et ça, c'était peut-être une mauvaise nouvelle pour vous. Le 24 mars sortait Le Corneau, réalisé par Gérard Houry. Le scénario s'inspire de l'affaire Jacques Angelvin, un présentateur de la télévision française qui fut arrêté aux États-Unis en 62 au volant d'une Buick Invicta dans laquelle plus de 50 kilos d'héroïne pure avaient été dissimulés. Bourvil interprète Le Corneau et Louis de Funès le gangster qui le manipule. Le film, quant à lui, fera 11 millions d'entrées. 65, c'est aussi l'année du plus célèbre tube rock de tous les temps. Je veux parler de... Faut-il rappeler qu'il est l'œuvre des Rolling Stones ? Mick Jagger a écrit la totalité des paroles qui ont aussi participé à la popularité du morceau. Le texte dénonce l'aliénation par la publicité et les frustrations de tous ordres qu'engendre la vie dans une société de consommation. C'était donc le premier morceau à prôner la décroissance. Alors, la réforme du service militaire, la politique de la chaise vide à Bruxelles, l'élection du général de Gaulle, mais aussi la popularisation de la mini-jupe par Courrèges et la sortie du Corneau et du morceau culte des Rolling Stones. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans? Et maintenant, avez-vous changé d'avis?